puis, c'est nous qui sommes censés être méchantes. Même quand on dit que le diable t'anime n'importe comment, il y a certaines choses qu'il faut laisser. Surtout en ce qui concerne le mouroussage forcé. Attention, je ne dis pas que ce qui est écrit sur la capture d'écran est vrai, parce que moi, je ne connais pas l'histoire. Mais je dis seulement une seule chose, hein. Voilà les conséquences quand on expose ses enfants sur les réseaux sociaux. Chacun va venir dire sa part. Et c'est pour ça que dans l'histoire d'enfant là, je donne et je donnerai toujours le chapeau à Nathalie Koua. Si c'est pour protéger ses enfants des réseaux sociaux, cette fille a compris que les gens sur les réseaux sociaux ne sont pas bienveillants. Et que ça peut impacter, si vous, les grandes personnes, ça vous impacte au point où vous vous énervez, vous menacez les gens. Imaginez les enfants. Les enfants grandissent, les enfants lisent. Leurs amis sont sur les réseaux sociaux, leurs camarades sont sur les réseaux sociaux, leur future belle famille est sur les réseaux sociaux. Tout est sur les réseaux sociaux. Quand vous êtes là, vous prenez des enfants, vous voulez exposer des enfants. Tout le monde ne sera pas bienveillant. Les gens vont vouloir vous atteindre. Et vous atteindre, ça va passer forcément par atteindre leurs enfants, vos enfants. C'est moi, j'ai compris un truc sur les réseaux sociaux. Hein. Quand les gens viennent te dire que tu n'as pas de mari, on t'insulte, ton site. Tu n'as pas d'enfant, on t'insulte, on t'insulte. C'est pour te pousser à bout. C'est-à-dire que même si tu n'as pas, tu peux même aller prendre les voisins, tu viens dire que oh, c'est fini, non. C'est pour te pousser à bout. Ils cherchent juste l'angle le plus faible pour pouvoir t'anéantir avec. Parce que toi-même, en tant que roc, on ne peut rien te faire. Alors, on cherche comment est-ce qu'on va te détruire. Et on te pousse à montrer ce qui va te faiblir. En fait, ce qu'on va te prendre pour te laver avec. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que moi-même, je dis que, on dit que je suis méchante. Mais il y a les gens. Et les pires, c'est ceux qui commencent. Épargner les enfants. À bisous.